Bonsoir, monsieur. Bonsoir, je m'appelle Miguel Sainte-Marie. Je suis venu ici ce soir comme simple citoyen, pas comme étant un expert ou ayant des connaissances dans quelconque milieu. Puis je suis venu ici un peu avec une feuille blanche. J'avais un intérêt particulier par rapport à cet environnement-là, parce que j'habite dans le quartier. Puis premièrement, je voudrais tout féliciter tout le monde, parce que je t'ai trouvé très intéressant les points de vue de tous et chacun. Je trouve que ça s'est fait dans le respect et dans le partage. Puis je pense que ça, c'est quelque chose qu'on devrait s'applaudir, parce qu'en 2019, on entend plus souvent qu'autrement des gens qui se chicanent. J'ai trouvé beau de voir les différentes préoccupations, que ce soit celle sociale, que ce soit celle environnementale. Puis je pense que c'est juste qu'on se pose des questions, puis qu'on pose des questions aux gens concernés, que ce soit la ville, que ce soit le promoteur. Bien, je pense qu'on est en droit d'avoir des réponses par rapport à ces situations-là. J'ai pas de questions à poser. Je pense que je voulais juste faire un peu un bilan de ce que j'avais entendu ce soir, parce que je pense que ce projet-là peut être un projet excessivement intéressant pour le quartier. Je pense qu'en effet, il y a des implications autant environnementales qui sont très importantes à prendre en considération, sachant dans quel milieu on vit puis vers où on s'en va. Je vois l'ouverture, bon, du promoteur. Je crois à la bonne foi de ces personnes-là. Je pense qu'il faut y croire. Puis je crois également à la sincérité de la ville qui veut le bien-être non seulement de la ville, de l'environnement, mais également de son arrondissement. Puis, je suis très content d'avoir pu assister à cette présentation-là. Puis, j'espère que ce dialogue-là, puis cette ouverture-là, de part et d'autre, va continuer à se faire sentir, puis qu'on va travailler ensemble pour arriver en bout de ligne à, j'espère, un beau projet qui va convenir à tous et chacun. Merci beaucoup, monsieur. Madame, très rapidement.